Dans cette capsule, nous allons voir comment la Russie est devenue communiste et sur quelle idéologie s'est appuyé Lénine. Lénine, chef des bolcheviks, s'empare du pouvoir en 1917 lors de la révolution d'octobre en s'appuyant sur les soviets, des assemblées formées de soldats et d'ouvriers. L'ambition de Lénine est de faire de la Russie un État communiste. Mais qu'est-ce que le communisme ? Revenons quelque peu sur ce que vous avez étudié en classe de 4e. Sur cette illustration, Lénine au premier plan s'affiche aux côtés des théoriciens majeurs du communisme, Engels et Marx. Marx et Engels rédigent en 1848 un livre intitulé « Le manifeste du Parti communiste ». Karl Marx pense que deux classes sociales s'opposent, la bourgeoisie et le prolétariat qui regroupe ceux qui ont comme seule richesse leur force de travail, il s'agit notamment des ouvriers. En Russie, puis en URSS, le marteau et la faucille symbolisent l'union entre les travailleurs agricoles et industriels qui forment le prolétariat. Il affirme que le prolétariat est exploité par la bourgeoisie. Il doit s'emparer du pouvoir par la révolution. Il affirme également que les prolétaires de tous les pays doivent s'unir. L'objectif est de faire disparaître les classes sociales pour créer une société égalitaire. Pour y parvenir, la propriété privée doit être supprimée et remplacée par la propriété collective. Cette propriété collective revient à l'État. Lénine s'appuie bien sur cette idéologie communiste, comme le montrent les décisions prises lors de l'accession au pouvoir après la révolution d'octobre 1917. Le décret sur la terre entraîne la confiscation des grands domaines agricoles. La terre doit appartenir à ceux qui la travaillent, autrement dit aux paysans. Les ouvriers obtiennent le droit de participer à la gestion de leurs usines. Le décret sur la paix doit permettre à la Russie de quitter la Première Guerre mondiale. Lénine souhaite faire de son pays un État communiste. Cela doit se dérouler en plusieurs étapes. La Troisième Internationale, créée en 1919, est un appel à mener une révolution mondiale pour faire triompher le communisme en réunissant les partis communistes de nombreux pays du monde. You